chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, tu deviendras dans ta chambre. Bonsoir, je souhaite bonne chance à l'émission Les As du Français, bonne chance à tous ces candidats. J'aurais aimé vous dire quelques mots en chinois, mais j'espère que ce sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Tout ceci est très important et je salue l'initiative de CCTV qui ainsi, avec ce concours, fait de la langue française une belle langue de partage. Et je ne peux ajouter qu'une seule chose. Bon vent, bon courage à nos as du français et à bientôt en Chine. CCTV Fahyu Da Sai. CCTV Fahyu Da Sai. CCTV Fahyu Da Sai. CCTV Fahyu Da Sai. CCTV Fahyu Da Sai.
Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, nous voici enfin à cette grande finale des As du français. Après avoir vécu pendant 3 jours des journées riches en émotions, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et chers candidats, vous avez déjà franchi de très nombreux obstacles pour vous qualifier aujourd'hui. Mais le plus dur reste à faire pour remporter la grande finale des As du français. Avant de commencer cette grande compétition, j'aimerais tout d'abord entendre ce que nos 6 finalistes ont à nous dire. On va commencer par la candidate numéro 1. Je suis la véritable As du français. Candidate numéro 2. Je vais vous prouver que l'impossible n'est pas français. Candidate numéro 3. Je suis prête à relever le défi. Et candidat numéro 4. Je vais être la plus sincère. Merci. Et vous l'aurez remarqué aujourd'hui, parmi toutes ces jeunes filles, il y a un jeune homme égaré, le candidat numéro 5, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je me sens un Tarzan dans la jungle. Et candidat numéro 6. Et moi, je vais vous montrer comment je vais mater ce Tarzan. On les applaudit bien fort. Vous aurez tout à l'heure l'opportunité d'admirer leur prouesse. Chers candidats, je vous prie de regagner votre place. On les applaudit, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés un jury d'exception. Permettez-moi de vous le présenter. Ils sont M. Liu Chang, professeur et directeur de l'école du journalisme de l'Université des médias et de la communication de Chine. Flama Elor, analyste de CCTV français. M. Song Jinwu, directeur des affaires eurasiatiques de l'Association populaire chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers. Monsieur Dong Qiang, notre président du jury, doyen du département de français de l'Université de Beijing. Monsieur Fabrice Rousseau, conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Chine. Madame Xu Jue, l'interprète supérieure du ministère chinois des Affaires étrangères. Et monsieur Julien Godefroy, animateur vedette en Chine. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous avons un programme extrêmement chargé. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de commencer directement par la première épreuve. Les candidats ont 2 minutes pour convaincre le jury des liens qui les unissent à la langue française. Cette romance qu'ils sont en train de vivre avec le français et moi, tel est l'intitulé de cette première épreuve, et j'appelle tout de suite la première candidate, Guan Shan. C'est plein de choses entre français et moi, mais parmi ces histoires, il y en a 2 que je n'oublierai jamais. La première, c'est que j'ai appris le chinois à une amie française depuis 3 ans, qui s'appelle Sophie. Je suis sa professeure de chinois, mais elle aussi, elle est ma professeure de français. La deuxième, c'est que j'ai habité pendant 3 ans avec une grand-mère française qui s'appelle Marguerite et qui a aujourd'hui 92 ans. Elle me racontait sa vie et l'histoire de la France. Et en outre, le contact avec sa famille m'a permis de connaître de l'intérieur la vie française. C'est grâce à leur aide et leurs encouragements que j'ai pu surmonter les difficultés de langue et les barrières psychologiques pour affronter les épreuves et continuer d'avancer. Et c'est grâce à cette interaction au quotidien que j'ai pris l'habitude de réfléchir, de raisonner et de formuler mes pensées en français. Ce qui est encore plus important, c'est que je me suis rendu compte petit à petit que la langue française n'est pas seulement un outil de communication. Elle est en plus une clé d'or pour moi
qui m'a ouvert la porte sur la culture française. Donc, je voudrais exprimer ma reconnaissance à mamie Marguerite et à Sophie, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont encouragée. Je voudrais aussi remercier CCTV qui m'a donné une opportunité de parler français et de parler de mon affection à la langue française. Et je voudrais aussi remercier tous les membres du jury pour leur travail de critique et de commentaires. Je suis ravie d'avoir joué un petit rôle dans l'échange interculturel. Et à l'occasion de la visite du Premier ministre français en Chine, j'allais dire vive l'amitié franco-chinoise. On dirait que la langue française est la plus belle langue du monde. Mais quand j'ai lu du français pour la première fois, j'ai une étrange impression de cracher. Je sais, ce que je vous dis là n'est pas très romantique, mais peu après, tout a changé. Après quelques mois d'études, je commençais à ressentir la rondeur et la sonorité du français. Et puis, j'étais impressionnée par la très belle mélodie de cette langue. Et finalement, elle m'a captivée. Un poète français dit « C'est d'une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. » Aujourd'hui, je suis non seulement séduite par cette langue même, et grâce à elle, je suis attirée par la richesse de la culture la nourrissant. Cette langue si proche de mon cœur et ma langue maternelle sont toutes les deux devenues mes meilleures amies. L'amour, c'est abstrait. Il faut donner des preuves. Mon amour, c'est ma curiosité. J'ai toujours voulu tout comprendre, en français à la France. Je vais ici vous expliquer combien je les aime et je les comprends mieux à Paris par un facile chemin, son métropolitain. Le début, j'étais un peu perdue. On m'a demandé, vous êtes de Belleville ? Tu es une Belleville, oui, je suis de Shanghai. Là, on a dû comprendre que je n'étais pas parisienne. Montparnasse, bienvenue, me dit donc à mon arrivée, sans savoir à l'époque qu'on me parlait du métro parisien et de son inventaire. J'allais bientôt le découvrir. En deux temps, trois mouvements, je passe le Luxembourg. Je me retrouve à Rome, après les pyramides. Je voyage par les mots dans le petit métro. Mais ce que j'aime le plus, c'est les Français qui aiment les livres. Dans quelle autre ville peut-on passer en changeant le siège de Alexandre Dumas à Victor Hugo et puis Émile Zola? Le métro, c'est aussi la guerre. De Napoléon à Austerlitz, de Poilu de Verdun aux résistants de Pirakem. Et je ne parle pas les noms de militants. Paris, c'est tout petit, ça pousse autour de lui. Les gens viennent de partout, il vient un jour et il reste pour toujours. Paris, c'est comme son métro qui dépasse ses frontières. Il commence en Argentine et finit en Italie. Ce n'est plus métropolitain, c'est cosmopolitain. Aujourd'hui, je ne me perds plus. J'ai compris les nuances, j'ai compris le mélange. Et puis si j'ai un doute, si je me perds un peu, il suffit de regarder la Seine qui coule de tout son long, comme le sang de la France. Elle baigne tout son cœur, Notre-Dame, le Louvre et puis la Tour Eiffel. C'est sur la Seine, je ne la quitte plus. Je suis envoûtée, je suis ensorcelée. Merci beaucoup. Je suis sûre que chacun d'entre vous possède sa propre histoire avec le français. Il est également certain que chacune de ces histoires sont particulières et uniques. Ainsi, je tiens à vous remercier à l'avance, vous qui acceptez d'écouter la mienne. Le français m'a fait connaître l'ampleur du monde. Il m'a acheminé en France, ce qui m'a fait redécouvrir mon propre pays dans le miroir de l'Hexagone. Il m'a conduit au pavillon France à l'expo de Shanghai, ce qui m'a révélé le charme des échanges culturels.
Il m'a accompagné à l'Institut de diplomatie, ce qui m'a éclairé pour la première fois sur les études diplomatiques. Il m'a amené en Suisse, ce qui a déployé un nouveau monde devant moi, celui des matières premières. Il m'a en particulier ouvert les portes de la sinologie française grâce à un programme de l'Université de Pékin. Voyez, il y a tant de choses que le français m'a procurées, néanmoins, il n'y avait qu'une seule chose que je peux faire pour lui en retour. L'intérêt à ma vie, inlassablement. Le monde du travail actuel exige rarement la maîtrise de cette langue, pourtant, je persévère dans son apprentissage tous les jours, car je désire, sans relâche, contribuer à la compréhension réciproque entre la Chine et le monde, à l'instar des invités du jour. Je ne veux pas abandonner la langue que j'apprends depuis 7 ans comme vous. Je veux qu'elle soit présente au cours de mon parcours professionnel comme vous. Je veux encore la lier globalement à ma vie comme vous. Et voilà donc l'histoire entre le français et moi, entre le français et nous. Merci. Je sais que mon ouverture vous semble bizarre. Alors, faut croire, c'est quoi le lien entre la musique classique française et, le français? Alors, tout simplement, c'est la musique... Oh! C'est la musique classique française qui m'a fait découvrir la langue française. Alors, au début, je pense que la langue française, c'est seulement un outil. Un outil, je suis là pour apprendre à maîtriser cet outil, tout simplement. C'est en France que je commençais à changer mon avis. J'ai mon professeur de basson qui m'a dit « Ben dis, il faut que tu comprennes c'est quoi la différence entre la musique française et celle des autres pays occidentaux. » Ben j'ai dit « Oui, mais pourquoi, monsieur Olé ?» Il m'a dit « Alors, par exemple, les Italiens sont chaleureux, n'est-ce pas ? Donc, voilà, leurs langues sont chaleureuses aussi. Alors, pour nous, les Français, nous sommes élégants. En même temps, nous sommes... fier à notre langue. Donc, il faut que tu tiens toujours la fierté et l'élégance quand tu joues et quand tu parles au français. Alors là, j'ai commencé à comprendre, voilà, c'est pas vraiment un outil, le français, c'est vraiment un langage qui est une combinaison entre la fierté et l'élégance. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Je vous remercie. Le mois dernier, j'étais en France et j'ai remarqué quelques petits faits linguistiques. Alors, pour apprendre français, pour apprendre à être super poli, hein. En Chine, dans une boulangerie, on dit « je veux ça et ça ». Enfin, en France, on dira plutôt « serait-il possible, éventuellement, si ça ne vous dérange pas, madame, de me donner un petit peu de pain ? Je vous remercie. » Incroyable ! En fait, quand j'ai commencé à apprendre français, j'avais eu une jolie prof qui m'a dit que les français qu'ils faisaient « quand ils réfléchissaient. Alors, la bouche bien ronde comme ça, « Je trouvais ça à la fois très mignon et un peu sexy. Mais, d'après ce que j'ai vu en France, mes amis français, elles faisaient plutôt « Bah... » Moi, j'ai appris le français avec Victor Hugo et Balzac. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte d'une chose. Ils sont déjà morts. Les jeunes de nos jours ont réinventé le français pour communiquer. Prenez l'exemple de langage SMS. Mon amoureux, il m'écrit souvent comme ça. Je t'aime, à demain. Mais comment un personnage de Molière exprime pour son amour? C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse. Mais imaginons si Molière était un jeune de nos jours. Alors, ça donnera quoi? Oupla!
C'est où je mets tout mon cœur. Il n'y a rien, je ne suis pas capable de faire pour une chose si bien. Alors, après 3 ans d'études, j'ai vraiment pu observer et ressentir que la langue française est une langue très fascinante sous toutes ses formes. Je vous remercie. Jusqu'à présent, l'émission se passe le mieux du monde. On va passer dans quelques instants au classement général. Classement général. Sans plus attendre, on va passer maintenant à la deuxième épreuve de cette édition. Les candidats vont devoir former un duo, jouer devant vous un sketch. Le premier sketch a pour thématique un aéroport. Donc l'un des candidats sera un voyageur et l'autre un douanier. Je suis une douanière. Je travaille dans l'aéroport international de Pékin. Aujourd'hui, tous mes collègues sont devenus des cadres. Tandis que moi, je reste une petite employée. Je n'en veux plus! Pour ma promotion, je décide de faire tout seul pour trouver des délinquants. Action! Réaction. Bonjour. Je viens du plus petit village de Chine. Je ne suis jamais sortie de mon village. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai le cousin de la cousine de ma voisine, de son fils, je ne sais plus, qui m'a invité à voyager à Paris. Mais à Paris, je ne sais même pas où c'est. Enfin, tout ce que j'ai vu, c'est une grande tour très très haut, l'enfer et tout, voilà. À part ça, je ne connais plus rien. Et me voilà aujourd'hui de retour. Allô, oui. Ah oui, je suis rentrée là, je viens d'arriver là. Oui, j'ai acheté plein de choses. Et j'ai parcouru tous les magasins à Paris, j'ai failli me casser les jambes. Et bah moi, j'ai acheté un très beau truc pour mon père là, c'est très cher. Hein. Très cher. Et même moi, j'ai aussi acheté quelque chose pour ma mère, c'est super cher. Hein. Super cher. Et pour mon grand-père aussi, voilà, un beau cadeau, c'est hors de prix. Hein. Hors de prix. Mademoiselle. Qu'est-ce qui est très cher? Qu'est-ce qui est vraiment cher? Qu'est-ce qui est hors de prix? Mais quoi? Hein? Ah, pardon, mademoiselle. Je suis la douanière. Et je vais faire un contrôle de vos bagages. Un quoi? Un contrôle de mon bagage? Oui. Mais t'es qui, toi? Je suis la douanière. C'est mon travail. C'est mon travail. Votre travail? Oui. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'il y a plein de gens que vous contrôlez pas, vous avez choisi. C'est moi, hein? Pourquoi c'est moi, alors? Ne parlez pas si fort, mademoiselle. On peut le faire secrètement. Tout seul. Secrètement, en plus? Oui. Mais t'es malade ou quoi? Mais on recherche ou quoi? Mais c'est impossible, là. Je vais tuer pas. Gucci.
Mademoiselle, maintenant, je vais vous arrêter. Le transport du produit de luxe non déclaré est puni par la loi. Tous ces objets coûtent plus de 1 million d'euros et vous aurez une amende de plus de 100 000 euros. 100 000? Oui. Combien de zéros? Mais c'est pas moi, pas ma valise, ça. C'est pas moi tous ces objets-là. Mais comment pouvez-vous prouver que c'est pas votre valise? Mais c'est vraiment pas moi, ça. D'ailleurs, je sais pas où est ma valise, là. Et c'est quoi en plus, c'est quoi comme truc? Hein? Tous ces sacoches, immondes, c'est immonde. Je les prendrai même pas pour aller au marché, là. Mais moi, ce que j'ai acheté, sont des fromages pour mon père, des saucissons pour ma mère, et les baguettes pour mon grand-père, qui sont très chères en plus, hein, qui m'a coûté 150 yuan. Hein. Mesdames et messieurs, les voyageurs, votre attention s'il vous plaît. En raison d'un changement dans la livraison des bagages, les bagages du vol AC650 en provenance de Paris-Charles de Gaulle arriveront porte C. Tous les voyageurs sont invités à s'y rendre. Merci. Mais ça, c'est ma valise. Et ma valise, ma valise. Si, c'est pas à elle. Mais qui est le propriétaire de cette valise? C'est toi. C'est toi. Ou c'est toi. Peu importe. L'important, c'est que je vais trouver le propriétaire de cette valise. Oh yeah. Et pour la deuxième sonnette, le compte bancaire de l'un des personnages a été crédité. Sa conseillère financière découvre en sa compagnie une incroyable surprise. Bonjour, je m'appelle Sophie. Ma vie n'est pas terrible. Je suis célibataire, je vis dans un petit studio de 20 mètres carrés et je suis au chômage, complètement dans la dèche. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 30 ans maintenant. Pour fêter cela, j'ai quand même décidé de faire un bon resto ce soir. Mais il faut que je fasse un sacrifice, c'est-à-dire aller à la banque et vider mon compte. Bonjour, je m'appelle Carole. Je travaille dans une banque. J'aurais aimé un travail plus libre et voyager partout dans le monde. Mais la réalité est que je ne peux rien faire que de m'asseoir ici. Répéter les choses tous les jours. Pas de nouveautés, pas de surprises. Oh, clientèle. Mademoiselle, je peux vous aider? Oui. Sophie! C'est ma copine d'enfance, Carole. C'est mon amie d'enfance, Sophie. On faisait les jours ensemble. Oui. Oh. Yeah! Ça fait déjà 20 ans qu'on ne s'est oui, pas vus. Ça va, tu travailles dans la banque maintenant. Dis donc, tu es riche. Ben, l'argent n'est pas à moi. En tout cas, je peux t'aider. Oui, je vais retirer de l'argent pour mon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Merci. Alors, tu veux combien? Je pense que je vais tout retirer. J'ai à peu près 200... 14 croix. Oh, pauvre fille. Bon, alors... Tu disais, t'as combien? 214. Mais il y a 10 millions là! 10 millions! Regarde! Mais comment c'est possible? Je sais pas! Mais tu es sûre, Carole, tu es sûre? Mais si les chiffres ne m'en disent pas! Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, j'arrive. Calme-toi, Sophie, ok? Ok, calme-toi. Oh, calme-toi. Ok, tu me calmes. Calme-toi. Très bien. Ah, Carole. Oui. Si je ne lui dénonce pas, j'aurai la moitié de cet argent. La moitié. 5 millions. C'est 5 millions, c'est... Oh, c'est magnifique. Sophie. Dis. Yes. Oh, avec cet argent qui tombe du ciel, je peux enfin m'acheter une maison. Je peux construire ma famille, avoir un mari et des enfants. Avec cet argent, je veux certainement, tout de suite, démissionner. Les papiers, les chiffres, les clients,
encore voir, c'est magnifique. Je vais aussi m'acheter une montre de luxe. Ah, un Cartier. J'en rêve depuis longtemps. Comme ça, j'aurai l'air d'une vraie star. Je peux enfin faire le tour du monde. Oh, mon rêve depuis longtemps. J'irai avec ma famille. J'irai partout, partout. Oh, c'est magnifique. Il me faut aussi une voiture. Une Mercedes, une noire. Comme ça, je peux me balader partout. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de transport en commun de toute façon. Oh là là, je ne sais pas ce que je peux faire exactement. Je ne sais pas du tout. Je suis certainement folle. Oh, combien c'est magnifique. Carole. Maintenant, il faut retirer. Retirer. Bien sûr. Bon, alors. Ah, il ne reste que 200 traces. Mais c'était certainement une erreur technique. Une erreur technique. Mais je sais que le bonheur ne tombe jamais de mon côté. Je n'ai pas de bonne étoile. Je serai toujours si pauvre, si malheureuse, si seule. Pauvre fille. Pauvre moi. Mais quand même, l'argent n'est pas grand-chose. Mais si, si j'avais eu cet argent, j'aurais pu acheter une maison. Mais la taille de la maison ne signifie pas le bonheur. Et une montre? Je connais un marché où tu peux acheter une montre à 5 contre une très brillante. Et ma voiture alors? Une maquette, ça va. Oui, allô? Oui, oncle Michel. Oui, oui, c'est gentil de penser à mon anniversaire. Pardon? Un cadeau? Un virement? Ah, pour que je garde le moral. Oh, tu fais vraiment un bon tonton. À bientôt, je t'embrasse. Carole, oui. Tu peux regarder si j'ai de l'argent de plus sur mon compte? Encore? Regarde. Il y a 5 000 de plus. 5 000 de plus. Mais je fais quoi avec ces 5 000? Je ne peux quand même pas. Je peux toujours pas acheter une maison, hein, ni une montre, ni une voiture. Mais quand même, tu peux acheter beaucoup de choses. Hein. Tu peux acheter des décorations pour ton studio. Oui. Avec une horloge accrochée au mur, c'est joli. Oui, pas mal, oui. Quand même, en vélo, pour faire tes exercices. Oui. Ah, très bien. Tu as raison. Ah, je peux aussi t'inviter au dîner ce soir pour mon anniversaire. Bonne idée. Et pour fêter notre amitié. Merci beaucoup. Pour moi, l'amitié, ça ne s'achète pas. C'est bien notre amitié, ça, n'est-ce pas? Yeah. Très bien, on y va. On y va. Alors, il s'agit cette fois d'une histoire très intéressante. Un couple qui dîne ensemble au restaurant. Je n'en dis pas plus. Je t'en prie, Néoli. Assieds-toi. Alors, oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Oh, merci. Tes yeux sont tellement noirs. Ah, mes cheveux aussi. Ah ben oui, tes cheveux. Oh, quels beaux cheveux là. Je les trouve très beaux ce soir aussi. Je te remercie. T'es bien habillée. Je te remercie. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Oh, un cadeau? Il va m'offrir un cadeau. Est-ce que c'est le boucle d'oreille qu'on a vu ensemble l'autre jour? Peut-être c'est une bague. Oui, une bague. Bah, j'espère vraiment que tu vas l'aimer. Tiens. C'est la nouvelle technologie, là. Une bague transparente. Mais comment ça, transparente? C'est en or, une bague en or. Regarde-la bien. Moi, je connais bien l'or jaune, l'or rouge, l'or rose ou même l'or blanc, mais l'or transparent. Mais quelle est ton histoire? Ça commence bien. Mais zut, c'est pas vrai, là. Bon, je suis désolé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être j'étais dans le bus, on m'a volé la bague. C'est la première fois que tu m'invites au restaurant et tu m'offres une boîte vide. Oui, je sais, mais... C'est ça que je suis pour toi, une boîte vide? Ah, je suis désolé, ma belle. Bon, ben, t'as soif? Est-ce que t'as soif? Ben, une champagne, peut-être? Oui. Ah, une champagne, oui.
Bon, garçon, s'il vous plaît, une champagne. Bon, qu'est-ce qu'on a comme champagne ici? Ton Pérignon. Très bien, ton Pérignon, s'il vous plaît. Il a quand même de la classe, ce garçon-là. Très bien, je vais me servir moi-même. Très bien. Je t'ai servi, s'il te plaît. Et voilà. À ta santé, Néoli. À cette belle soirée. Quelle couleur dorée avec les pulls fines. Ah oui, sachant que les prix à l'esprit là. Une heure plus tard. Oh, bah, j'espère que tu as bien mangé, toi. Tout à fait, j'ai très bien mangé. Ah, très bien. Alors, la vancouste, ça a aidé. Oh, délicieuse. Et le caviar. Excellent. Je crois que les desserts sont pas mal, hein? Oui, oui, le soufflé au chocolat. Ah quelle oui, douceur. Oui, très bien. Ouais. Tant mieux. Alors, on y va? Ah oui, si tu veux, on y va. Bon, garçon, l'addition, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'a pas encore oublié quelque chose, hein, j'espère. Oh, mais c'est pas vrai. Quelle journée, là. Zut, ya. Mais... ça va? Non. Ah, j'ai un appel. Pardon. Tu me permets. Il n'y a pas de souci. Ah oui, tu me permets. Là. Les hommes, surtout celui-ci, toujours la tête en l'air. Hey. Bon, tu vas bien? Oui, et toi, hein? Tu as l'air un peu... Impeccable. Ben, je me permets de te dire la vérité. Oui? Il me semble... j'ai perdu mon portefeuille. C'est quoi ça, cette histoire? Maintenant, je comprends plus, là. D'abord, tu m'offres une boîte toute vide. Maintenant, tu dis que tu as oublié ton portefeuille. Non, je sais pas ma faute, ma chérie. Tu te moques de moi, c'est ça? Je t'aime, ma chérie. Tu te moques de moi? Oups. Oh, pardon, pardon. Il m'aime? Pardon. Bon, alors, écoute. En fait, j'ai déjà payé l'addition. J'avais tout compris. C'est pas vrai. Ah, quelle fille merveilleuse. Tu m'as sauvé ma vie. Je te remercie, vraiment. Je te remercie. Maintenant, le classement général de cette partie du jeu est prêt. Je vous propose de l'observer tout de suite. Nous commençons maintenant l'épreuve suivante, le quiz. L'ensemble des candidats ont la possibilité de se rattraper et de marquer jusqu'à 20 points. Les règles sont les suivantes. Une bonne réponse apporte 1 point. Une mauvaise réponse voit le score du candidat réduire de 0,5 points. Le candidat le plus rapide, bien sûr, a la priorité pour répondre à la question. Première question. Trouvez un adjectif ayant le même sens que japonais. Candidat numéro 1. Nippon. Nippon. Bonne réponse. Quel anglicisme dans la langue française signifie fin de semaine? Candidate numéro 1. Weekend. Weekend. Pardon? Weekend. Bonne réponse. Donnez un synonyme du mot vélo. Candidate numéro 3. Bicyclette. Bonne réponse. Que signifie l'expression faut que j'aille bosser? Candidate numéro 3. Il faut que j'aille travailler. Bonne réponse. Que signifie l'expression faire d'une pierre deux coups? Candidate numéro 1. C'est une action pour avoir deux résultats. Bonne réponse. Selon
la légende, quel oiseau apporte les bébés? Selon la légende, quel oiseau apporte les bébés? Noah. Candidate numéro 2. Noah. Pardon? Peut-être... Mauvaise réponse. D'autres candidats? Il s'agit de la cigogne. Question numéro 8. À quel événement historique fait référence le 14 juillet en France? Candidate numéro 2. La Révolution française. Pardon? La Révolution française. Non, mauvaise réponse. Candidate numéro 1. La prise de Bastille. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'une ratatouille? Candidate numéro 1. Ratatouille, c'est un plat avec un mélange de légumes, de bonne de réponse. Pâtes. Attention, question musique. Maintenant, vous allez devoir écouter une chanson et deviner le chanteur de cette chanson. Musique, s'il vous plaît. Candidate numéro 3. Jean-Jacques Goldman. Bonne réponse. Quelle est l'avenue la plus célèbre de Paris? Numéro 3. Champs-Élysées. Bonne réponse. Qui a réalisé Le Grand Bleu? Numéro 3. Luc Besson. Bonne réponse. Où se déroule le plus célèbre festival de cinéma? De Cannes. Bonne réponse. Avez-vous déjà eu des questions ou quel fleuve traverse Paris? Numéro 1. La Seine. Bonne réponse. Et on passe maintenant à la question photo. Les candidats vont devoir reconnaître la personnalité sur cette photo. On peut envoyer, s'il vous plaît. Candidate numéro 3. Tony Parker. Bonne réponse. Qui est l'auteur de la fable Le Corbeau? La Fontaine. Bonne réponse. Question numéro 17. Comment s'appellent les deux héros gaulois et numéro 1. Astérix Obélix. Bonne réponse. La compétition se joue à deux. De quel roman de Stendhal Julien Sorel? Le Rouge et le Noir. Bonne réponse. Qui a dit en premier quand la Chine s'éveillera, le monde? Candidat numéro 5. Napoléon Bonaparte. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les petits êtres bleus à chapeau blanc? Candidate numéro 1. Schtroumpf. Excellente réponse. Bonne réponse. Le moment est vraiment critique maintenant. Après cette épreuve, un candidat ou une candidate sera éliminé immédiatement. Je peux arriver à la finale, c'est déjà très bien pour moi. Oui. Et bravo pour votre parcours exceptionnel. Merci. Il me semble que vous avez réservé une bonne surprise à tout le monde ici. Une très grande surprise, effectivement. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre patience. C'est un peu la marraine, en fait, des As du français. Elle a été, en fait, sur le point d'annuler un concert pour être parmi nous aujourd'hui. Je vous prie de l'applaudir bien fort, Joyce Jonathan.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Hey, dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Et je n'ai pas de rendez-vous, plus de rancœur que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Hey, j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, il n'y a qu'à toi que je plais. Et je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire. Et toi et moi, ah ça ira. J'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Et si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Et je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire. Et toi et moi, Rue Saïchi. Des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes lésiers, des délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort. On se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Parfois je me dis que j'ai peur de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Mais c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour. Et bien plus encore, alors, on se raisonne. C'est pas la fin de notre monde et à tort. On se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de te foutre en l'air. Tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière les sentiments. Oh, je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. Tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière les sentiments.
Je te veux toi avec défaut et tes problèmes de fabrique. Je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, si jamais trop. Je te veux plus changer d'avis, j'ai vu un autre un peu plus joli. Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as dû rêver, ce n'était pas moi. Mes confusions, tu les connais, elles sont tombées. Comment te dire, j'aurais peur de tout foutre à l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre à l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Oh putchata, comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je vous ai entendu, j'ai cru comprendre que vous parlez chinois couramment? Non. Non. Est-ce que vous seriez capable de nous fredonner les paroles en chinoise, le refrain de l'une de vos chansons en chinois? Ouais. Alors celle-ci, donc Saiichi, c'est d'ailleurs Dong Tian qui a traduit cette chanson en chinois. Et ça fait... Bravo, bravo. Je vous demande d'applaudir très fort Joyce Jonathan. On la remercie, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bravo à tous les candidats de ce soir. Ils sont très forts, bravo. Les quatre candidats rescapés du premier tour vont maintenant relever un challenge très amusant. Ils vont devoir imiter l'une des personnalités présentes sur notre plateau aujourd'hui. Alors la présentatrice de notre chaîne, Jade Charles, va les interviewer pendant 5 minutes et nos candidats vont entrer dans la peau de leur personnage et peut-être gagner jusqu'à 100 points. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette émission de rencontre, cette émission un peu spéciale où nous aurons 4 invités. Et pour commencer, j'invite sur ce plateau Julien. Alors Julien, on dit que vous êtes aussi plus célèbre que le président français François Hollande en Chine. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur cette notoriété? C'est vrai que j'ai presque 1 milliard de fans, alors lui 60 millions. Mais c'est vrai, il est le président, faut pas oublier, il est le président de la France. Bah, s'il savait parler, s'il savait dire ça en chinois... Peut-être qu'il serait plus connu en Chine. D'ailleurs, j'ai aidé son interprète lors de son venue en Chine. Et il m'a fait remarquer que j'avais même un petit accent chinois quand je parle en français. Vous étiez musicien avant de commencer votre carrière en Chine. Est-ce que vous avez enseigné le chinois à votre violoncelle et pensez-vous pouvoir apprendre le français à un erhu? Oh. Alors, j'ai essayé, mais mon violoncelle, il a eu des problèmes avec les tons chinois, donc comme s'il n'avait pas de l'oreille musicale. Les erhu sont plus réceptives. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Voilà, alors vous êtes plus réceptive.
Et pour finir, vous avez ouvert un restaurant français à Beijing pour faire découvrir aux Chinois la cuisine française. Oui. Quel autre aspect de la France aimeriez-vous importer en Chine? Déjà, j'ai fait plusieurs émissions sur le vin. Et c'est vrai qu'il y a d'autres aspects de la France que je voudrais bien faire découvrir à nos amis chinois. Par exemple, je trouve que le cinéma français est un peu sous-représenté ici en Chine. Sans parler de Godard, il n'y a pas seulement de Luc Besson. Bah, je trouve qu'il y a plusieurs Français, il y a beaucoup de films français qui pourraient intéresser les Chinois. Par exemple, Bienvenue en Ch'ti, les choristes. Et je trouve que les peintres de Monet, de Matisse, de César, ils méritent aussi d'être connus ici en Chine. D'ailleurs, je compte faire une émission spéciale sur les peintures, sur les peintres du 19e siècle. Mm-hmm. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Eh bien, nous allons accueillir notre prochaine invitée maintenant. Mm-hmm. Joyce Jonathan. Bonjour, Joyce. Bonjour. Vos chansons parlent de sentiments. Oui. Je sais que vous chantez certaines d'entre elles en mandarin. Oui. Avez-vous éprouvé des difficultés pour faire traduire ces chansons et ces émotions en chinois? Quelles sont, à votre avis, les différences entre les deux langues dans le domaine des sentiments? Bon, en effet, mon niveau de mandarin n'est que ma-ma-rou-rou. Ben, alors, en ce qui concerne la traduction des paroles dans mes chansons, en effet, je trouve qu'il est moins difficile que je le croyais, parce que c'est bien au cours de la traduction que je constate. Il existe vraiment beaucoup de points communs, sans du mandou, entre les Chinois et les Français. Ben, prenons l'exemple du proverbe. Alors, nous avons en français... l'homme propose, Dieu dispose. Et alors nous avons en chinois, Mou shi zai ren, cheng shi zai tian. Et en français, nous avons quand même, quand on veut, on peut. Et en chinois, Yao zhi zhe, shi jing cheng. Ben voilà, c'est bien les similarités qui favorisent beaucoup la traduction de mes chansons. Merci. Est-ce que vous écoutez de la musique chinoise? Et si oui, quels sont vos artistes chinois préférés? Oui, bien sûr, j'écoute pas mal de chansons chinoises. Et néanmoins, je préfère des chanteurs de ballades tels que Song Dongye, peut-être vous le savez. C'est parce qu'il m'apparaît qu'il existe aussi des sentiments délicats dans ces chansons que dans les miennes. Mais bien sûr, la différence, c'est qu'il les exprime d'une manière plus profonde. Je me souviens quand même d'une phrase dans sa chanson fameuse, Dong Xiao, si je ne me trompe pas. Si vous voulez, je peux vous chanter ça. Ben. Allez-y. Alors, je crois que cette chanson est bien... Non, cette phrase est bien... Alors, je l'ai quand même traduit en français. Alors, c'est bien. Terre, cheval sauvage, mais je n'ai pas de prairie chez moi. C'est un goût de désespoir, ma chérie. Ben voyez, voyez, pardon, c'est bien les sentiments se transmettent comme cela. Ben voilà. Un autre artiste français, Jean-Michel Jarre, a fait un grand concert à Pékin, à la Cité Interdite. Si vous aviez le choix d'un lieu, celui que vous voulez, en Chine, lequel choisiriez-vous? Je crois que je préfère les campus universitaires, parce que d'après moi, je me suis persuadée que les sentiments délicats fusionnés dans ma musique est plus perceptible par les jeunes que par les adultes, si je voulais dire. Et d'autant plus que si les jeunes m'aiment bien, alors mes albums peut-être seraient vendus plus vite. Très bien, merci. Oui. Merci à vous. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Maintenant, ma prochaine invitée. Bonjour, Dong Tian. Bonjour, madame. Vous montrez en général un goût
très prononcé pour la culture classique chinoise. Quant à la France, vous semblez regretter l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Êtes-vous nostalgique? Auriez-vous aimé vivre dans une autre époque? D'accord. Alors, je vais répondre qu'il y a d'un côté la culture ancienne chinoise et d'autre côté la culture ancienne française. Je pense que toutes les deux sont très bonnes et je suis très admirateur des deux cultures. Par exemple, dans la dynastie Tang et Song, il y a de très belles poésies. Et à l'époque classique en France, il y avait de très beaux, très belles pièces de théâtre, de littérature aussi. Et par exemple, l'art religieux du Moyen-Âge en France, c'est très beau aussi. Et en plus, je suis très fan de la culture de l'Antiquité. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai traduit les entretiens du Confucius en français. Mais par contre, il y a nostalgie et nostalgie. C'est-à-dire, quand on est nostalgique, ça ne veut pas dire qu'on va quitter la société contemporaine pour aller vivre vraiment dans un autre temps. Et ce que je veux dire, c'est que si je peux travailler, si je peux voyager, pardon, à travers le temps, je voudrais bien aller cerner et observer de plus près des trésors culturels dans une autre époque et ramener des choses bonnes dans notre société contemporaine. Vous traduisez aussi bien du chinois vers le français que l'inverse, mm-hmm. ce qui est assez rare pour un traducteur. En quelle langue pensez-vous et dans vos rêves, quelle est votre langue de prédilection? Alors, d'accord. C'est-à-dire, quand je traduis de chinois en français, je réfléchis plutôt en français. Et quand je traduis de français en chinois, je réfléchis plutôt en langue chinoise. C'est-à-dire, quand on traduit, on va plutôt penser et réfléchir dans la langue cible que la langue source. Et c'est une question amusante parce que quand je rêve, je peux rêver que ce soit aussi bien en portugais qu'en arabe et parfois aussi en sanskrit. C'est-à-dire, j'adore les langues et j'aimerais bien parler toutes les langues, être polyglotte. Et c'est une bonne occasion de rêver dans toutes les langues. Voilà, c'est comme ça. Ça vous permet de parler les langues que vous ne connaissez pas. Oui, et puis vous pouvez aussi demander à ma femme, parce que c'est elle qui m'entend quand je parle au sommeil. D'accord. On dit que vos calligraphies se vendent autour de 200 000 yuan. Vous pourriez donc vivre confortablement avec ces revenus. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à mener de front autant d'activités? C'est une très bonne question. Et alors, je vais prendre un exemple. Un exemple du président Mao. Et s'il était encore vivant, il va voir ses œuvres de calligraphie se vendre à un prix très élevé, même hors de prix. Mais est-ce qu'il va cesser de travailler dans sa carrière politique et révolutionnaire? La réponse est forcément non. Donc moi, ça c'est mon point de vue. Il y a d'un côté gagner de l'argent, et l'autre côté c'est avoir une joie de vivre et de se remplir l'intérieur. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Et j'accueille mon dernier invité sur ce plateau, Monsieur Wu Tianmin. Bonjour Monsieur Wu. Bonjour. Alors, Monsieur Wu, vous avez été ambassadeur de Chine en France durant les années croisées. Oui, exactement. Vous avez rencontré l'ancien président français, Jacques Chirac. Avez-vous une anecdote à nous raconter à ce sujet? Alors, mon ami Jacques, oui. Ben oui. Ben, je me rappelle, tout le monde sait que mon ami Jacques aime bien l'histoire chinoise, y compris et des bronzes. Alors, je me rappelle, il y a une fois, j'ai invité chez moi, comme j'ai une quand même petite collection de bronzes, je lui fais découvrir. Puis, alors, tout de suite, il a attiré par une des bronzes. Je me suis dit, en fait, il était comme ça.
C'est magnifique. Mais il a l'air volé à bronze, hein? Enfin, je plaisante quand même. Mais bon. Alors, je lui fais cadeau, là, après. Bon. Une anecdote, c'est fini, voilà. Merci. L'un des chapitres de votre livre s'intitule « Si on pouvait avoir la sagesse de 40 ans à l'âge de 30 ans ouais. ». Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que cela pourrait changer dans notre vie? Alors, la sagesse. La sagesse, c'est un sujet qu'on parle depuis le Moyen-Âge, quoi, dans vos pays occidentaux. Mais en Chine, c'est aussi un sujet éternel. Alors, la sagesse, c'est toujours en lien avec le courage. Ben, j'avoue que ben, les jeunes manquent beaucoup de sagesse, puisque, voilà, je parle de... Enfin, manquement, quoi. Et puis, il faut seulement lire des bouquins, lire les livres, pour approfondir l'horizon. Deuxièmement, il faut voyager, tout simplement. Il faut voyager comme on veut. Et après, voilà... On a de la sagesse, je crois. C'est ma vision. Voilà. Avec une carrière aussi riche que la vôtre, difficile de prendre sa retraite. Avez-vous des projets d'avenir? Comment voyez-vous la suite? Ah, très bonne question. Ah, j'ai jamais pensé à ça, en fait. Hein. Bon. J'aime faire de la musique. J'aime la musique. C'est toujours mon rêve. Bon, comme bon, je fais un peu du haïku. Est-ce que vous savez, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est un instrument traditionnel chinois qui a deux cordes. C'est comme un violon à deux cordes. Je le fais bien, je trouve. Hein. Je le fais bien. J'ai toujours envie d'aller au conservatoire de Paris pour étudier le harpe. Ah ben oui, c'est toujours dommage qu'à conservatoire de Paris, on n'a pas cette spécialité. Hein. Enfin, c'est mon rêve, mais bon, on n'a pas de choix. Ben, en fait, j'avoue que la musique... c'est une attitude. C'est une attitude, c'est une façon de penser aussi. Voilà, il faut pratiquer. On va trouver qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. C'est intéressant, c'est très intéressant, oui, voilà. Très bien, merci pour avoir partagé votre sagesse avec nous. Je vous remercie. Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Il est temps de dévoiler le classement général de cette étape. Je vous rappelle que parmi ces quatre candidats, deux d'entre eux seront éliminés après ces épreuves. Le résultat est prêt. Je vous propose de l'observer tout de suite. Malheureusement, la candidate numéro 6, Wang Shihua, et le candidat numéro 5, Woody, sont éliminés. Ben, en fait, je me rappelle, avant le concours, mes colocataires à Lille, ils m'ont dit « Sois naturel, Nico. » Je suis naturel. Voilà. Et puis, en plus, c'est un concours du français... J'ai fait plein de rencontres ici, c'est incroyable. Et il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que ça, c'est ça? Ah oui, bah oui, bah oui. Bon, j'aime bien le classement, enfin cinquième, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et vous? Je me calme un peu déjà. Oui, je suis contente, très contente d'être ici. Je pense que là, ça peut être la carte... la plus forte ou même la meilleure carte ou la carte la plus basse. Et un as ne peut pas être accepté sans les autres cartes. Donc je voudrais vraiment remercier tous les autres. Donc merci pour votre soutien. Merci. Alors la danse monte de plus en plus. Seulement 3 candidats sont encore en lice. Mais dans quelques instants, il n'y aura que 2 candidats qui seront restés sur cette scène. Ils vont devoir s'affronter lors d'une ultime bataille. Et pour cette épreuve, chaque participant va devoir inventer une histoire à partir de 4 photos. C'est un jeu de logique, mais aussi d'imagination. Il disposera de 4 minutes en tout pour la préparation et la présentation.
L'histoire dont je vais vous raconter, c'est celle de mon ami Martin. Martin, il est, je l'ai rencontré à Montréal. Il est canadien francophone. Là-bas, en Amérique du Nord, on les appelle américains, canadiens français. Martin, il est journaliste, caméraman. D'ailleurs, on le voit sur la photo, avec sa chemise militaire sur le dos et le drapeau canadien sur le côté. Il travaille pour l'armée canadienne. Donc, sur la photo, il est en train de filmer une action armée canadienne qui évacue les personnes menaces d'un incendie dans la forêt, dans la région Chicoutimi, dans le nord-ouest du Canada. Alors, Martin, c'est un super-héros, c'est un Superman. Son métier, c'est aider les gens et les informer. L'été dernier, Martin, il est venu à Paris pour me rendre visite. On était dans le métro, direction Châtelet. Juste le moment où je voulais monter dans un wagon, à mes pieds, j'ai vu une énorme souris qui sortait d'une bouche d'égout juste à ma jambe. Et j'ai paniqué, affolé, je commençais à courir sur le quai et je commençais vraiment à me mettre à crier. Et c'est seulement quelques secondes après, je me suis rendu compte que la souris, elle est plus là, et tout le monde me regardait bizarrement. Et là, du coup, je devenais tout rouge, honte et morte. Et c'est à ce moment-là, mon ami Martin, il a eu une idée de génie. Il se met à crier avec moi. Regarde, il y a un gros rat dans le wagon. Il va nous mordre. Du coup, mouvement de panique. Tout le monde se met à sortir du métro. Du wagon et on bousculait et finalement la foule devient une foule de montagne comme on voit sur l'image. Et il y a même un monsieur qui m'a dit « Ah, mademoiselle, vous avez bien raison de courir ». Et voilà, c'est l'histoire de mon ami Martin. Encore, il a non seulement il a sauvé la vie des victimes canadiennes, il a aussi sauvé ma vie. Et c'est mon Martin, chasseur... Chasseur de rats, c'est un gros chat, un gros Superman, comme Dolarémon, il a des super pouvoirs, et je l'adore, cet ami Martin. Voilà. Alors, il a organisé récemment un concours annuel de parfums de lavande. Alors, ce prix de ce concours cette année, c'est bien voyager dans l'espace. Il y a un père qui veut vivement remporter ce prix. Puisque le rêve de son fils est bien de voyager dans l'espace. Mais il y a un problème. Bien que le père sache très bien les procédures de de fabriquer le parfum, néanmoins, il ne peut pas identifier les lavandes les meilleures. Alors un jour, quand il se promenade au bord d'une rivière, il voit... C'est deux chiens. Et il a pensé tout d'un coup que ces deux chiens ont grandi dans les champs de lavande. Et il peut identifier très bien les lavandes les meilleures. Alors, c'est bien grâce à l'aide des deux chiens que le père a réussi à fabriquer le parfum le meilleur de lavande. Et ce soir de victoire, tout le village a allumé le feu de joie pour célébrer la victoire du père et la réalisation du rêve de son fils. Il y a un seigneur chinois qui se prépare pour aller faire la répétition de théâtre avec ses amis pour participer au concours organisé par CCTV de théâtre. Donc ils vont jouer la pièce « Adieu ma concubine ». Il se réjouit, il est très content, et puis il chantait, et puis il ouvre les fenêtres pour voir le temps. Mais il ne voit rien, parce que tout est noyé dans le smog. Il voit des personnes qui font du vélo avec un masque,
et ne voient même pas les automobiles. Ils se demandent, qu'est-ce qui se passe? Et là, il entend la Miss Météo dans la radio qui dit qu'aujourd'hui, il y a une très, très grave pollution de l'air et il faut éviter de sortir. Il faut plutôt rester à l'intérieur. Il est très déçu. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a pensé, quand il était jeune, il est allé au bord de la mer et puis il voit très bien le soleil. Mais là, il ne voit plus rien. Il se croyait être vieux. Mais ce n'est pas possible. Donc, le Seigneur commence à penser. Il commence à penser très, très profondément. Et dans son rêve, il a vu des gens qui touchent une bassine en or. Il se demande ce qu'ils font. Et puis il a pensé à une expression figée chinoise qui veut dire que quand on se lave les mains dans une bassine en or, on a envie d'effacer ce qu'on a fait avant et recommencer. Mais aussi, il pense à une autre chose. Il voit plus près que les gens. Ils touchent, ils ne se lavent pas les mains, mais ils touchent la bassine. Donc, il pense que quand les gens touchent à la bassine en or, il veut gagner plus d'argent. Ah, il a compris. Les gens veulent gagner plus d'argent. Ils dépensent, ils pensent à la société de consommation, ils pensent au profit. Et les gens, pour gagner plus d'argent, ils pensent plus à l'environnement. Ils font n'importe quoi. Ils coupent les arbres. Ils évacuent de l'air pollué partout. Donc, rien n'est plus bon. Il s'est réveillé. Il se réveille. Donc, il pense qu'il est temps que les gens changent. Il est temps que les gens repensent ce qu'ils font. Le classement général pour cette épreuve est prêt. On le voit tout de suite. Et malheureusement, la candidate numéro 1, Quan Shan, mm-hmm. Vous allez quitter notre scène. Oui. Un dernier mot à dire? Oui. Alors, c'est que j'avais préparé les mots pour quitter la scène bien avant, juste au moment au tout début de l'épreuve. Donc, moi-même, je suis assez surprise d'en arriver jusqu'à là. Et pour moi, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est la participation, le parcours qu'on a fait avant, la préparation. Et la connaissance des amis. On va commencer tout de suite la dernière bataille, la grande finale des As du Français, édition 2013. Je vais vous rappeler directement le règlement. Les candidates vont devoir convaincre l'ensemble du jury, ainsi que le public, qu'elles sont véritablement les As du Français. Elle dispose d'une minute trente pour le faire. Les candidates, avant de parler, vont devoir appuyer sur le buzzer. Elles disposent de 10 secondes maximum avant de passer le temps de parole à l'autre candidate. Elles peuvent arrêter de parler à tout moment et lorsqu'elles s'interrompent, elles doivent absolument appuyer sur le buzzer. 1 minute 30, que la grande finale commence. Qui est la véritable as du français? C'est parti. Je suis l'as du français parce que je connais tous les mots techniques, par exemple dans les domaines pâtisserie et gastronomie. Alors pour moi,
L'est du français ne signifie non seulement le niveau linguistique, il est plutôt les horizons des connaissances culturelles. Je suis l'est du français parce que je connais Zadig et un livre de Voltaire, et non seulement une marque de vêtements Zadig et Voltaire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, néanmoins, ce que je connais très bien est bien la culture chinoise, puisque moi je suis chinoise, et alors c'est à partir de la culture chinoise que je peux bien communiquer avec le monde. Je suis là, je suis français, parce que je connais le chapeau chinois, ça veut dire l'accent circonflexe pour les enfants français. C'est le même symbole. Alors pour moi, je connais mieux les nationalités des Chinois et les nationalités des Français. Voilà. Je suis là, je suis français parce que je parle mieux français que n'importe quel joueur de l'équipe de France de football. Bon alors, je suis là, je suis français parce que, en effet, ça fait déjà un an et demi que je n'ai pas pu l'occasion de parler le français. Néanmoins, le caractère le plus fort pour moi, c'est bien la persévérance. Je suis là, je suis français. Je connais non seulement le français en France, mais aussi le français en Afrique et le français en Amérique. L'épreuve touche à sa fin. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. La grande gagnante de la finale des As du français édition 2013 est la candidate numéro 3, Tong Yu Ying. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bravo, Yuying. Bien fait. Félicitations. Vous avez fait véritablement un parcours sans faute. Je me souviens encore lors des présélections, vous nous avez montré que vous étiez capable de jouer au piano, de danser et de jouer au théâtre. Vous avez vraiment énormément de compétences. Félicitations, vous êtes notre grande vainqueur. Moi-même, je suis très ému parce que la candidate numéro 4 avait été repêchée lors des présélections. Le hasard fait bien les choses, elle a tout de même fini en deuxième position. S'il vous plaît, une salve d'applaudissements pour la candidate numéro 4 qui le mérite vraiment. Merci, Pranwang. Je crois que j'ai bien essayé. En effet, je suis... aujourd'hui, la raison pour laquelle que moi, je peux être ici sur la scène, c'est bien, peut-être, si je peux le dire, grâce à l'abandon de candidature par Tian Tian. Et alors, ce que je peux dire est vraiment que j'ai bien chéri cette chance et je l'ai bien fait. J'ai vraiment... un sentiment très satisfaisant pour moi-même. Et j'espère que vous avez le même sentiment. Merci. Nous allons à présent procéder à la remise des trophées. J'aimerais tout à l'heure inviter M. Dong Tian, président des membres de jury, à nous rejoindre sur scène pour décerner le troisième prix pour les canons de la première édition des As du français. Merci beaucoup de votre prestation. Je suis en face de mon miroir féminin. C'est un hasard, vraiment un pur hasard, et je vous félicite. Merci beaucoup. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je vais maintenant appeler son Excellence Monsieur Jean-Robert Koulongana pour la suite de la remise des trophées. Remercier les organisateurs de cette magnifique manifestation, féliciter aussi tous les participants qui nous ont gratifié cet après-midi, non seulement d'une belle prestation, mais qui nous ont convaincus que le français a encore de l'avenir. J'aimerais inviter maintenant M. Jacques Pellet, ministre conseiller de l'ambassade de France en Chine, pour décerner le premier prix pour la grande gagnante de cette compétition. Merci.
suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir gagné ce prix. Tout à l'heure, j'ai pensé à un moment, en fait, qu'il y a 4 mois à peu près, que j'ai vraiment hésité de venir participer à ce concours, parce que je suis un peu différent que les autres, parce que ça fait 1 an que je ne suis plus l'étudiant de la langue française. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de participer à ce concours, comme je suis plus dans la voie d'apprentissage. Mais maintenant, j'ai trouvé la réponse, c'est qu'il n'y a pas la limite, il n'y a pas une fin pour cet apprentissage. Monsieur Bellet, un petit mot pour la grande... Deux mots pour d'abord féliciter la gagnante qui nous a, je crois, tous impressionnés par sa maîtrise du français, par son imagination aussi, par l'ensemble de ses connaissances de la France, parce que ce qui est important, évidemment, quand on apprend une langue, c'est aussi de découvrir une culture. Moi, je voulais féliciter l'ensemble des participants. J'ai lu leur profession de foi qui était écrite sur un papier et je vois que tous sont des passeurs entre la France et la Chine. Et ça, c'est évidemment ce dont on a besoin entre nos deux pays, et c'est pour ça que l'ambassade de France s'est associée à ce concours avec CCTV, et je crois que c'est évidemment des gens comme vous dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, qui comprennent les deux cultures, qui comprennent les deux langues. Et pour ceux qui ont perdu, ben, je rappelle cette simple phrase chinoise, Shi bai shi chang gong zhi mo. Merci beaucoup. Il est temps de conclure. Comme vous avez pu le constater, c'est une véritable victoire renversante. Et j'aimerais vraiment conclure maintenant en vous disant que l'édition des As du français a connu quelques déboires. C'est un fait, c'est la première fois que CCTV français organise ce genre de compétition. L'ensemble de l'équipe a fait de son mieux. La plupart des gens se sont très investis, ont fait preuve de beaucoup d'acharnement, de dévouement. Les candidats également ont subi énormément de pression à travers l'ensemble des sélections. Le résultat est cette édition 2013. On vous remercie encore d'y avoir assisté. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette compétition, la première du genre à la télévision chinoise et 4 jours chargés d'émotions. Et nous avons découvert de nouveaux astuces français. Je vous dis au revoir et à la prochaine édition. Merci à tous.